je m'appelle Damien Anglada, je suis le brand ambassadeur France pour la distillerie de Balvenie depuis 2011. Alors le whisky qui m'a fait basculer, c'était en 2003 lors de ma toute première visite d'une distillerie écossaise, c'était sur l'île de Skye et bien sûr c'était le Talisker 10 ans d'âge. Alors mon coup de cœur du moment, c'est un whisky que j'ai pu goûter là au Paris Whisky Live cette année, c'est le Edu Graal. Il me semble que c'est le premier whisky de la distillerie des Menhirs, de plus de 20 ans d'âge et moi je suis assez fan de ce qu'ils font. Donc là, l'Edu Graal, il m'a mis une belle claque. Ma Madeleine de Proust, je dirais le Red Breast, 12 ans, classique. C'est vraiment, un pur post style que j'adore, à la maison, facile, toujours sur des fruits un peu du verger, comme ça, c'est un whisky rassurant et en même temps très, très agréable. Alors le dernier whisky que j'ai acheté de mémoire, c'était un Glendronach. Le Glendronach 18 ans, Ayardis. Eh bien, c'était pas plus tard que la semaine dernière en Écosse, où notre Global Brand Ambassador nous a offert un Balvenie 21 ans Second Red Rose. Une très très belle bouteille. Alors j'en ai eu pas mal, ça a bien diminué depuis, entre toutes celles que j'ai bu, partagées avec des amis, certes d'autres que j'ai vendues, mais il doit m'en rester, je dirais, une bonne trentaine maintenant. Et je vais plutôt être bourbon. Je dirais plutôt chéri, mais j'aime bien les chéris tourbés aussi. Plutôt chéri, Oloroso, ce qui est plutôt la marque de fabrique chez Balvenie. Alors j'ai parlé de Red Breast, mais c'était vraiment une exception, donc je ferais plus scotch. Finish Porto. Brut de fût. Pas de coca, de la glace, on va dire. Alors pour l'accord avec les fruits de mer, je mettrai le Balvenie 12 ans single barrel, qui est vraiment une référence qui rentre sur le poivre, sur les épices. Et je trouve qu'avec les fruits de mer, ça fait un mélange sympa. Pour l'accord avec le chapon, je vais rester sur un Balvenie, je dirais le Balvenie 15 ans, single barrel, qui est 100% fût de chéri. Et le côté chéri, fruits secs, chocolat, tout ça avec le chapon, ça peut être gourmand. Alors moi avec le chocolat j'aime bien la tourbe, pour le coup. Du coup je mettrais notre Balvenie 14 ans de Week of Pete, qui est une tourbe très facile, très agréable, très accessible et qui je pense se marie bien avec le chocolat. La courte, pourquoi James Bond? Parce que Jeanne Masse.